Cette image d'un linotypiste du quotidien yiddish Neue Presse, notre presse, prise en 1983, montre ce qui est aujourd'hui un monde trois fois disparu. Neue Presse était un quotidien yiddish à Paris qui a disparu en 1994. Donc le quotidien a disparu. Il a disparu parce que les locuteurs natifs, qui avaient été élevés dans la langue yiddish comme langue maternelle, sont aujourd'hui pratiquement tous morts. Leurs enfants, généralement, ont appris le français, mais leurs parents ne leur ont pas appris le yiddish pour mieux les intégrer à la société française. Et puis, ce système qu'on appelle la linotype, qui, à partir d'un clavier, permettait d'obtenir des lignes en plomb pour imprimer le journal, évidemment, ce système a lui aussi disparu. Il a vécu pendant près d'un siècle. Et il a ensuite été remplacé par les techniques de photocomposition et puis ensuite, bien sûr, par la mise en page et le traitement de texte informatisé. Donc, c'est quelque part un monde trois fois disparu. Et c'est aussi les derniers survivants du Yiddishland, du monde juif yiddishophone d'Europe, en Lituanie, en Russie, en Pologne, en Roumanie, en Hongrie, dont les derniers survivants avaient émigré en France dans l'entre-deux-guerres, et les derniers à être restés après la guerre étaient en France, et pour des raisons évidemment biologiques, ne sont plus là parmi nous.